Salut à tous, c'est Tobos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode 7 sur les séries Skydaria. Donc écoutez, c'est parti. Ok, alors juste avant de commencer la vidéo, il y aura encore une fois un petit concours. Donc du coup, il y aura 3000 de monnaie à gagner par like. Donc faut vraiment liker un maximum cette vidéo pour avoir un maximum d'argent à gagner. Donc pour participer, c'est encore une fois très simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube, de liker la vidéo pour avoir un maximum d'argent à gagner et de commenter en mettant votre pseudo in-game. D'ailleurs, les résultats du concours seront à la fin de la vidéo, donc bah restez jusqu'à la fin pour pouvoir voir qui c'est qui a gagné l'argent. Ok, alors aujourd'hui c'est un épisode très spécial car regardez mon argent. Oui, j'ai 24 millions, il me manque plus que un peu moins de 6 millions et du coup on va farmer 6 millions, comme ça on va pouvoir rank up Zeus et avoir le fly illimité. Donc alors j'ai aussi un peu farmé au warp de Chronos, donc j'ai farmé quelques magma cubes, tout ça, bon, j'ai farmé pratiquement un décès avec lui, donc total on a farmé 2 décès, mais on s'est partagé les gains. Bon alors du coup c'est parti pour pouvoir farmer l'argent. Aussi j'ai rajouté les cartes, là les maps de Peox, donc il a fait ça sur sa map, donc j'ai rajouté là dans les coins, j'aime bien, ça fait un petit peu d'entrée, ça fait assez accueillant. Donc du coup on va pouvoir commencer à faire pas mal de monnaie. Donc pour me faire de la monnaie, bah déjà j'ai les cestiques avec la nether war. Donc ensuite j'ai quelques décès de bâton blaze, donc on va pouvoir transformer en poudre de blaze, comme ça on aura masse argent, donc ça c'est plutôt cool aussi. On va du coup vendre avec un cestique, hop là. Donc là j'ai plein de cestiques x2, donc on aura masse argent. Ok, du coup regardez, je suis à 29 610 000, donc je pense que là on va pouvoir bientôt passer. Je pense qu'il va nous manquer pas grand chose hein. Donc, ok, donc alors si je fais ça slash monnaie, oh non, il me manque, ah il me manque tellement rien, il me manque 80 000, donc on va vendre les cactus si j'en ai, je sais pas trop si j'en ai pas mal ou pas. Ouais, on a ça, c'est pas grand chose mais on va pouvoir le vendre quand même. Et donc alors là du coup j'ai une shulker entière de bâton blaze, donc on va tout transformer ça. Ok, donc alors du coup c'est bon, regardez, j'ai un double chest entier de poudre de blaze. Donc on va prendre un cestique, hop, un cestique voilà, c'est ce qui m'en reste. Ok, donc alors regardez, c'est bon, regardez notre argent, on fait slash monnaie. Regardez mon argent, j'ai 30 millions 7 000 de monnaie, donc je peux passer de ça. Ok, alors juste avant de rank up, on va regarder déjà le ball top. Parce que regardez, j'ai vu ça, j'étais assez content, regardez-moi ça. Donc si on va dans le ball top de cette semaine, hop, 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 regardez, je suis là, donc j'ai gagné pratiquement 8 millions. Depuis le début de la semaine, donc j'ai pas mal farmé. Ok, attention, c'est parti, on va pouvoir payer. 3, 2, 1, go. On est Zeus. Oui, enfin. Non mais là, je suis grave content. Oui. Donc, du coup, c'est plutôt cool, on va pouvoir regarder déjà, merci. Merci. Donc du coup, on va regarder qu'est-ce qui nous apporte déjà. Donc on va pouvoir faire donc, le slash fly, my god, on va pouvoir faire ça. Le slash condense, le slash p time. Ok, donc alors en fait si on fait slash p time, on peut régler la nuit ou le jour. Donc si on met slash p time night, on va tester. Oui, ah regarde, oh, c'est trop stylé, on peut mettre le jour, la nuit. Et si on met slash p time day, donc du coup regardez, on peut régler la nuit, le jour, tout ça. Donc c'est vraiment hyper stylé. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ajout. Ok, donc on va tester, on va faire slash sin depuis. Non mais regardez, on peut regarder. Mais what? On peut regarder les trucs des gens. Genre, il est en ligne depuis 45 minutes. Ok, alors ça, c'est un peu pratique. Bon, ça, c'est un peu. Enfin, je trouve que c'est plus facile de fly. En gros, par exemple, si je suis là et que je fais slash top, ça va me téléporter au bloc le plus haut sur ce bloc-là. Donc, ça va me téléporter. Donc, ça va me téléporter en fait juste ici. Voilà. Donc, ça, en objectif, ça va. Donc, alors aussi, on a un nouveau shop. Donc, shop des titres. On va regarder. Club des millionnaires. Ok. Donc on peut acheter les atouts, ok, challenge bonus, ah challenge bonus on va acheter ça aussi, à 30 millions, nice. Et l'atout sur brillance à 5 millions, ça c'est assez stylé aussi. On peut acheter les titres, lol, tug, farmer, Skydaria, et les gens à 10 millions, et le moins cher il est log et tug, ok. Ok, donc je sais pas si on va acheter un titre pour le moment, je pense que quand même ça pourrait être assez stylé, mais bon quand on sera vraiment très riche. Et du coup on peut récupérer les spawners avec une seal touch. Donc ça c'est vraiment assez cool, comme ça j'arrêterai d'embêter les Zeus. Donc là du coup c'est bon, j'ai le fly à l'infini et franchement je suis grave content. Donc du coup on va regarder les challenges Zeus, donc alors ils sont très difficiles apparemment, ok. Donc du coup je vais commencer par faire les challenges et on se retrouve juste après. Donc alors franchement le challenge marché de Milwaukee c'est hyper simple parce que quand on fly ça compte. Ok, du coup regardez c'est bon, j'ai fini le challenge Zeus, alors j'étais en train de former des chorus parce qu'il faut bien que je fasse mes purs blocs. Juste regardez le prochain challenge, qu'est-ce que c'est? Donc alors c'est poser une balise sur votre IS, donc alors j'en ai déjà plein des balises hein. Surtout que là j'ai encore ouvert des clévotes il n'y a pas très longtemps. Et j'ai encore une étoile du nether, donc franchement on en a hyper bien. Donc franchement on en a beaucoup, je crois que j'en ai 3 en réserve hein, dans mon essai. Donc, ouais, on est franchement plutôt pas mal, je pense. Ok, donc regardez, j'en ai déjà 3 dans mon essai, donc ça, c'est vraiment pas un problème. Hop, on va juste éteindre ça. On va récupérer le chorus. Ok, alors du coup, c'est bon, regardez, j'ai fini de farmer le chorus. Donc, du coup, là, il y a un beacon, donc on va le casser, on va le reposer. Ok, du coup, c'est bon, on a un beacon, on va le poser. Et regardez, on a fini la quête. Donc, ok, c'est bon, du coup, on a fini le beacon, donc on a réussi à... Donc, du coup, c'est bon, on a fait la quête. Prochaine quête, c'est tuer 1500 slimes. Je vais demander dans le chat qui c'est qu'il y a des slimes. Ok, donc alors du coup c'est bon, je suis sur le warp de Sanji. Donc hop, ils sont juste ici. Donc il y a les petits slimes. Donc bah c'est plutôt cool. Faut que tu me coupes. Donc je lui dois, je crois que c'est 40 000, on m'avait dit. Ok, du coup c'est bon, j'ai des slimes. Donc il n'y en a pas, 1500, mais il y en a quand même pas mal. Donc alors je vais tout taper comme ça, bah j'aurai plein déjà de slimes. Ça me fera pas mal aussi pas mal de l'ELIS. Donc du coup je farm, on se trouve juste après. Ok, donc alors regardez, j'ai un full inventaire de slime ball, donc on va tester le slash condense. Ok, donc alors regardez, c'est bon, j'ai fait le slash condense et ça marche vraiment hyper bien, donc regardez. Ok, alors c'est bon, enfin j'ai fini le challenge Zeus numéro... Enfin le 3 là. Donc c'est bon, donc j'ai récupéré encore 400 000. Donc en fait le prochain challenge c'est tuer 1000 pig zombies, donc ouais les zombies pigmen. Et le problème c'est que bah... en fait, bah, je vais attendre que Chronos il se co et je vais farmer chez Chronos parce que bah, lui il a plein de spawners, tout ça, donc comme ça je pourrais aller farmer chez lui, donc comme ça c'est plutôt cool. Donc je vais attendre qu'il se co, enfin voilà, je vais attendre un peu, et puis là j'ai un peu la flemme de refarmer, surtout que ça m'a pris pas mal de temps à farmer tout ça, donc du coup on se retrouve une fois que je suis en train de farmer des magma keeping. Ok, donc alors aussi regardez, j'ai farmé pas mal de slime blocks du coup en tuant bah, les 1500 de slime, donc je pense qu'on va les poser tout de suite. Donc au départ je les avais posés là, mais en fait eh ben, je pense qu'on va faire des grandes plateformes comme une pure bloc, donc j'ai cassé déjà tout ça. Ok, donc alors du coup on va venir les poser alors en dessous. Alors là normalement on va avoir les blocs de nether warts. Bon, j'ai un peu la flemme de... Parce que c'était bon, ça je pense que je les farmerai plus tard. Donc pour le moment on va poser les slime blocks ici. Ok, regardez du coup c'est bon, j'ai posé tous les blocs de... Ok, du coup c'est bon, j'ai posé tous les slime blocks. Donc on va faire slasher ce level. Alors je pense que je n'ai pas gagné beaucoup parce qu'en fait j'ai cassé tous les spawners à mob passif. Donc tout ce qui est mouton, poulet, cochon, tout ça j'en ai plein. Donc je les ai cassés parce que bah, pour le moment ils sont un peu gênants. Et je pense que... Parce qu'en fait c'est 2 levels par spawner je crois. Donc je pense qu'on a perdu pas mal de levels, mais c'est pas grave, on va tester, faire slasher ce level. On a quand même passé, on a quand même gagné 10 levels. Bon, c'est pas énorme vu tout ce qu'on a posé. Mais je pense que quand on reposera du coup tous les spawners, on aura plein de level 10. Donc du coup on se retrouve quand je farmerai les pigman. Ok, alors du coup c'est bon, je peux farmer mes pig zombies, donc j'en ai 1500 en farm. Et du coup je suis au warp de Chronos, donc ils me permettent de les farm gratuitement, il est juste derrière moi. Donc du coup je vais les farm, je vais faire un petit peu les autres challenges hors caméra et on se retrouve juste après. Ok, retournons. Alors du coup j'ai un petit peu le seum parce que en fait, mes enregistrements ont littéralement bugué de chez bugué. Donc en fait à partir du challenge des pigmen, ça a complètement bugué, donc j'ai un peu le seum. Donc du coup j'ai farmé les autres challenges et bah du coup je vais vous dire qu'est-ce que c'était les challenges. Donc alors en fait il y avait un challenge où il fallait farmer les pastèques et les citrouilles, donc je l'ai fait. Donc du coup j'ai fait des farms comme celle-ci. Je pense que dans le futur je vais les casser parce que bah en fait et ben, ça rapporte très peu en fait et ben ça, donc je pense que c'est rien que je les farme. Ensuite il y avait un autre challenge où il fallait farmer 1000 sorcières, donc tuer 1000 sorcières. Donc alors du coup ça j'ai farmé au warp de Darth Sidious, donc alors en fait le warp de Darth Sidious c'est le warp sur le thème de Star Wars, donc si vous connaissez ce serveur bah vous devriez connaître son warp. Ensuite il fallait que je pose 64 blocs d'or, fallait que je mine des diamants, des émeraudes, tout ça, donc du coup j'ai fait tout ça. Et là il me reste un challenge, donc alors il me reste du coup quelques challenges, mais celui-là il est vraiment hyper galère, il y en a plein sur le serveur qui galère à ce challenge là, c'est farmer 500 pommes. Donc ça prend littéralement beaucoup trop de temps. Donc alors regardez, pour le challenge des pommes, en quelques jours j'ai farmé un stack et eu plus de 8 de pommes. Et il me manque encore beaucoup de stacks, donc on est vraiment pas rendu, ça prend vraiment énormément de temps. Donc on va devoir casser des arbres. Donc alors aussi à la recherche de cette vidéo, on est le 3 juin. Et du coup ils ont le serveur annoncé un nouveau event. Donc il n'est pas encore sorti, mais il va sortir dans un mois pratiquement. Il va sortir le 1er juillet, donc c'est le challenge vacances, l'event des vacances. Donc bah trop hâte de le faire parce que sur le serveur j'ai jamais connu, enfin il n'y a jamais eu d'event pendant que j'ai rejoint le serveur, parce que j'ai rejoint le serveur le 20 mars je crois et il n'y a pas eu d'event, donc bah du coup on est prêt à l'attendre. Donc du coup faut attendre le 1er juillet, donc je pense qu'il y aura pareil une vidéo là-dessus sur cet event là. J'ai vu au spawn il y a le portail pour aller sur la map, bon on peut pas y aller, on peut pas aller sur la map, mais il y a le portail, donc du coup trop hâte. qui sortent les vannes. Et ben du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant on va donner les résultats du concours, donc du coup c'est parti. Ok, alors du coup c'est parti pour le concours, donc du coup il y avait 50K gagnés s'il y avait moins de 25 likes, mais bon il n'y a pas eu les 25 likes, mais bon vu que vous y êtes presque et que vous avez quand même bombardé les likes, donc du coup vous avez quand même gagné 100K et je vous fais un petit cadeau en plus. Là vu que j'ai farmé pas mal, je vais vous faire gagner 200K, donc bah du coup le gagnant va gagner 200K. Donc alors du coup il y a 42 commentaires, bon il n'y a pas 42 participants mais du coup il y a pas mal de participants, donc du coup bah c'est parti pour faire le concours. Ok alors du coup c'est bon, on est sur Common Speaker, donc on va mettre le lien de la vidéo juste ici, hop là. Ok donc alors comme vous voyez il y a 16 participants, donc bah du coup qui c'est qui va gagner les 200K? Attention, et le gagnant est... Suspense. Ok alors le gagnant c'est MoneyR, donc bah du coup GG à toi. Alors j'ai vu que ouais voilà c'est ça, donc alors en fait MoneyR c'est Sex9, c'est juste qu'il a mis 2 commentaires, mais bon vu que les commentaires comme voir sont filtrés, donc du coup c'est pour ça qu'ils ont choisi le commentaire où il a pas mis son pseudo, mais du coup en fait c'est Sex9, donc bah du coup GG à toi, t'as quand même gagné 200K, bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix, donc du coup bah GG à toi. Ok alors, du coup GG à toi Sex9, je sais pas s'il est connecté, on va regarder tout de suite. Hop là, et oui, il est connecté, donc du coup on va lui donner directement ses 200K maintenant, donc on va le MP. Donc ok, donc du coup regardez, il est connecté, donc du coup je l'ai MP, donc voilà, donc c'est parti, on va faire un petit slash pay. Alors juste avant de lui passer l'argent, on va juste regarder combien il a d'argent. Donc il a 3 millions, bon 200K ça va pas être énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc du coup on va lui faire un petit slash pay. Ok, alors du coup regardez, c'est bon, j'ai mis un slash pay Sex9 200K, donc c'est parti, 3, 2, 1, on envoie, et voilà. Bon bah du coup regardez c'est bon, on a donné le gain du concours. Donc alors du coup bah si vous voulez gagner comme Sex9 bah de l'argent, donc du coup bah n'hésitez pas à faire comme lui. Donc vous avez commenté, partagé la vidéo, liké, abonnez-vous, donc voilà faites tout comme lui et comme ça vous pourrez peut-être gagner. Donc alors du coup je sais, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y aurait 3K par like, mais je me suis dit c'est pas assez, on va quand même lui faire un peu plus de cadeaux. Donc du coup ça va pas être 3K par like mais 10K par like. Donc du coup ça va être 10 000 $ par like. Donc c'est à dire que si vous faites 20 likes. Donc du coup si vous faites 20 likes ou plus, vous aurez 200 000 $ à gagner. Donc bah du coup bonne chance à tout le monde. Et si vous voulez gagner, bah n'hésitez pas à faire comme Sex9, voilà, et ça marche. Il a gagné. Donc du coup commentez, mettez votre pseudo in-game et surtout abonnez-vous, c'est hyper important. Et likez pour gagner un maximum d'argent. Et bah du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé et merci beaucoup à tous d'être restés là. Donc du coup bah n'hésitez pas à faire comme Sex9 pour pouvoir participer au concours, ça me ferait grave plaisir. Allez, ciao tout le monde.